Mesdames et messieurs, si je peux me permettre, à la défaite de cet empereur! Ça maintenant, tu entends? Il revient. Les réjouissances sont terminées. Prenez leur slam. Dame Daifu, la collecte du tribut est en cours. Si des slugs sont cachés dans cette caverne, elles ne nous échapperont pas. Je l'espère pour vous. Notre empereur ne tolérerait aucun échec. Et il en est de même pour moi. Tu te prends pour un héros. Tu crois peut-être que quelques bonnes actions peuvent effacer ton ardoise et les 20 ans durant lesquels tu as été ma main droite. Non, je vous renverserai. Vous n'avez aucun pouvoir sur moi. Tu me dis ça à moi. Mais c'est à lui qu'il faut le dire. Je suis ta véritable nature, Genji. Celui que tu seras toujours, quoi que tu puisses faire. Ah, non! Ah, 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 ah. Elles sont vraiment chouettes, tes modifications, cordes. Oui, j'ai seulement adapté le blaster de poignet à l'usage d'un chêne. Oh, j'en ai assez. Je ne veux plus faire de repas de fête. Si Pronto mange encore un seul gâteau au thorax de Scarabée, il va exploser. Tu sais, rien ne t'oblige à en manger, Pronto. Les gens vivent en paix à présent. Après tout ce temps sous le joug de l'empereur, les cavernes de l'Est sont libres. Elles sont peut-être libres, mais il ne faut pas crier victoire pour autant. Cette vidéo a été diffusée ce matin sur le Slugnet par un site d'alerte. Je crois bien que c'est un des seigneurs de l'empereur. Mais l'empereur est parti. Pourquoi cet homme emploie-t-il des soldats de pierre pour collecter les slugs? Il n'y a rien de plus, ça s'arrête là. Cette vidéo a été mise en ligne depuis la caverne du pilier du paradis. Je connais cette caverne. Elle n'est qu'à quelques heures de route d'ici. Oh, on fait une bonne affaire. L'empereur ne nous avait jamais donné de goule. La Daifu n'est pas l'empereur. Les choses ont changé depuis qu'il est aux commandes. Ellie, tu sais bien que je ne tiens pas à jouer les héros, mais j'ai une question. On est venu mettre fin au règne de l'empereur et on a réussi. Tu ne crois pas qu'il serait temps de chercher ton père? Ah, on est venu pour aider Genji à libérer ses cavernes. Et c'est encore loin d'être fait. Tu as parfaitement raison. Regarde! Quelqu'un dans cette ville a besoin de notre aide. Allez! Et la caverne du pilier du paradis! On va y aller, mais on doit d'abord venir en aide à ceux qui en ont besoin. Wow, du calme! Ne m'obligez pas à faire quelque chose que je pourrais regretter, d'accord? Tu ne t'en sortiras pas avec un petit discours cette fois, Swick. Ta présence est devenue indésirable dans cette ville. D'accord. Non! Ne bougez pas, on se charge des soldats de pierre. Vous croyez que j'ai besoin de vous pour ça? Ce sont mes soldats de pierre. Les vôtres? Je vous reconnais, vous. Vous étiez au tournoi. C'est le seigneur Swick. L'ancien seigneur Swick. Eh oui, je me souviens de vous, moi aussi. Ce Nemrod-là a révélé au public qui il était. Vous êtes tous entrés pour affronter l'empereur.
Mais c'est bizarre, je me souviens pas de toi. Une tête pareille, ça ne s'oublie pas. Pronto était déjà à l'intérieur, préparant à sa façon la défaite de l'empereur. Ouais, bah merci, à cause de toi, je me retrouve au chômage. Mais si vous n'êtes plus un seigneur à présent, pourquoi est-ce que vous avez encore des soldats de pierre? J'en ai pas! Ce sont eux qui n'arrêtent pas de me suivre. Mais je t'assure, j'ai changé de camp. C'est pour ça que j'ai empêché les soldats de pierre d'éliminer ces Nemrod. Alors que ces Nemrod s'apprêtaient à m'éliminer. Oh, écoutez, vous ne pouvez pas leur en vouloir si vous, vous les traitez de Nemrod. Ce sont des Nemrod. Je suis un gentil maintenant, mais eux, ils ne veulent même pas me croire. Et toi, tu me crois? Toi, un gentil? T'as fait exploser ma grange avec une slug grenade. Et t'as mis le feu à ma méca parce qu'elle était garée sur ta place de parking. Qui était en fait ma place de parking. Oh, arrêtez. Si on oubliait le passé. C'était il y a 5 minutes. Ouais, c'est vrai. S'il vous plaît, messieurs, calmez-vous. Nul doute que cet homme vous a causé du tort, mais il semblerait qu'il a décidé de changer. Et quel que soit tout le mal qu'une personne a pu faire, il faut lui laisser une chance de faire le bien. Oui, il a raison. Regardez, il essaye de vous calmer, les Nemrod, comme le font les gentils. Et pourtant, c'était le terrible lanceur obscur avant. Vous vous rappelez le jour où il a brûlé le grand temple? Ou le jour où il a brûlé vos récoltes? Et le jour où il a enfermé toutes vos récoltes dans le grand temple et qu'il y a mis le feu? C'était un vrai méchant. Écoutez, Swick, vous avez des soldats de pierre qui vous suivent partout. Si vous voulez vraiment que les gens vous croient, il ne suffit pas de dire que vous avez changé. Il faut le prouver. Si vous voulez des preuves, vous en aurez. Oui, excellente idée, Nemrod. Trixie, ça te dirait qu'on leur fasse notre petit numéro de slugs vivantes? Infâme créature! Aujourd'hui, tu as rendez-vous avec ton destin. Prends ça! On peut remettre ça plus tard si tu veux! À toi, Spinner, tu fais comme à l'entraînement. Libère toute ta force. D'accord. À moi de faire le bien. Nemrod, le charme opère à la troisième. Ça alors, c'était formidable. Bravo, félicitations. Ah, c'est gentil, mais j'ai pas fait grand-chose. C'est qui ma slug explosive adorée? C'est toi! T'as fait du bon travail, petite! Swick? Scandaleux! Partez! Laissez-nous en paix! Qu'est-ce qui vous prend, les Nemrod? Vous voyez pas que je vous ai sauvé la mise? Hein? Du balai! Allez-vous-en! C'est tout ce que vous avez trouvé, hein? Tiens! Prends ça! Allez-vous-en! Qu'est-ce qu'on attend? Il faut rejoindre le pilier du paradis. Des gens en détresse ont besoin de notre aide. Des gens en détresse? C'est génial! Si vous voulez un coup de main, je suis partant! Vous avez vu ce que je viens de faire? Je suis un gentil maintenant! On ne peut pas le laisser là, ces gens vont le mettre en pièces! Je crois que Genji a raison. Vous ne le regretterez pas! J'ai hâte de faire le bien autour de moi et d'aider tous les Nemrod désespérés du monde! Hé, les Nemrod, vous entendez? Je vais immédiatement quitter cette ville de Rustre, prendre l'express pour la ville des héros et je ne reviendrai plus jamais ici! Yeah!
faites-moi confiance, les Nemrod. Je vais vous apprendre ce que c'est d'être un héros. Ouais. Désespéré. Non, je crois qu'aucun cas n'est désespéré, Trixie. C'est en essayant que Swick peut progresser. Non, pour l'amour des Slugs, il vaut mieux qu'il arrête d'essayer. C'est là tout le problème. Oui, s'il continue, on risque tous d'y laisser notre peau. Ces tentatives vont finir par nous être fatales. S'il y a bien une chose que Pronto sait, c'est comment reconnaître un héros. Et ce garçon n'a vraiment rien d'un héros. Qui peut savoir? Je vous trouve un peu trop sévère avec lui. Il a vraiment l'air d'aimer ses Slugs. Il ne doit pas être si méchant que ça. Elle l'a poussé en plein dans la boue. Vous avez vu la tête qu'elle fait? Il trouve ça drôle? Ah, je ne peux pas continuer à le défendre. N'ayez crainte, ils finiront par changer d'avis. Je sais que vous pouvez y arriver. Ah, c'est qu'une bande de Nemrod. Mais c'est vrai, je crois que je suis pas doué pour être gentil. Wow, qu'est-ce qui se passe ici? Regardez, c'est Johnny Man. Ce sont des... ghouls. Il est hors de question qu'on les laisse mettre la main sur ce stock de munitions. Je vais te dire une chose, cette Daifu me fait vraiment peur. Elle a une façon de vous tenir à sa merci, vous les seigneurs. Et c'est vrai qu'on l'appelle la Dame Obscure. Tais-toi et occupe-toi de charger le camion. Il y a encore des seigneurs qui travaillent pour la Daifu? Attention, on agit tous ensemble. On va d'abord les encercler et... On est repérés. Vas-y, démarre, dépêche-toi. C'est le champion de l'Est. Et... Swick? Johnny! Hé! Johnny! Dis, c'est vrai! La Daifu, il paraît qu'elle a renversé l'Empereur! Tu es avec eux à présent? Non! Enfin, oui, j'étais un peu avec eux, mais c'était une erreur. J'avais plus rien à faire après la chute de l'Empereur. Mais si je pouvais retrouver du travail au service de la Daifu... Tu veux être des nôtres? Ah! Alors aide-moi à battre le lanceur obscur et ses amis, et à livrer cette cargaison aux autres seigneurs de la Daifu. Et je ne lui parlerai pas de ta regrettable erreur, d'accord? Ça dépend. Si je fais ce que tu me demandes, combien de ghouls je vais gagner? Faire le mal comme avant, ça va me faire du bien. C'est Swick qui nous tire dessus. Oh, ne joue pas les étonnés. Tu as bien vu. Quelqu'un comme moi ne peut rien faire de bien. Ce n'est pas vrai. Vous pouvez choisir vous-même votre destin.
Personne n'a le pouvoir de décider à votre place qui vous voulez être. C'est vous qui choisissez. Désolé, j'ai essayé votre manière, mais ça n'a pas marché. Vas-y, tire. Menteur des agents doubles. Garde ça pour plus tard. On a un chariot de goule à rattraper. Mais c'est pas ma faute à moi. L'assistant de Johnny tire vraiment mal. Oui. Il n'est pas doué. Fais attention quand tu pointes cette arme. Dis à ce Nemrod au volant de conduire mieux que ça. Laissez-moi en dehors de ça. Il nous faut un plan. Le mieux serait de se rapprocher et d'essayer de les faire sortir de la route. On ne va pas trop se rapprocher avec cet engin braqué sur nous. Ça ne va pas ou quoi? Tu ne sais donc pas comment on lance une goule? Tu sais bien qu'on ne te fournit pas de mode d'emploi avec ces sacrées bestioles. Oh, aucune importance. On va quand même s'amuser un peu. Ça va barder. Oh mince. Maintenant, on arrête de jouer. Allez, vas-y, approche. Oui, je te tiens. Hé, c'est lequel? Je peux voir? Oh, mais... Lâche-moi enfin, hein! Descends-moi! Mais pousse-toi! Je ne vois rien! Je ne vois rien! Oh. Ah, mais laisse-le conduire! Hé, si je suis là, c'est ta faute! C'est toi qui m'as poussé! Tu m'as fait rater mon tir! Si tu ne sais pas viser, faut pas t'en prendre à moi! Je vois pas où je vais! À gauche! Johnny! Aide-moi! Oh, ne le prends pas mal, Swick. Mais il n'y a qu'une place pour moi sur ce radeau de sauvetage. Disons que tu n'as pas fait le bon choix. Mais au moins maintenant, tu sais qui est du bon côté. Plus un geste, espèce de traître malfaisant! Enfin, vous en avez mis du temps! Allez, aide-moi, dépêche-toi, gros Nemrod! Et pourquoi est-ce qu'on accepterait d'aider un traître comme vous? Pourquoi? Parce que ce traître vient de vous sauver la peau! Et cette cargaison de goules! C'est bien ce que je pensais! C'est pour nous aider que vous avez fait ça. Pas vrai? Vous étiez de notre côté depuis le début. Vous n'avez pas changé d'avis en cours de route, n'est-ce pas? Non! Je vous ai dit que je voulais devenir gentil. Et moi, je tiens toujours parole. Enfin, oui, peut-être pas tout le temps, mais cette fois, j'ai tenu parole. Et donc, vous voudriez rester avec nous? Non. Comme je vous l'ai dit, je m'y prends mal pour faire le bien. Mais je m'y prends bien pour mal faire le mal. Ça, je sais le faire. Très bien. Ah, ça y est, j'ai compris. Vous. J'ai pas compris. Il doit sûrement y avoir d'autres seigneurs là-bas qui s'occupent des basses œuvres de la taille fou. Je vais peut-être me joindre à eux. Voir comment je peux contrecarrer leur plan. En semant la pagaille, comme vous savez si bien faire. C'est malin. On fait avec les talents qu'on a. En plus de ça, j'ai envie d'aider les Nemrod comme vous autres. Merci à vous. Pourquoi? Pour avoir prouvé à tous qu'on a droit à une deuxième chance, quel que soit le mal qu'on a pu faire. Ouais. On arrête là les beaux discours.
Le moment est venu pour moi de m'éloigner le plus loin possible de vous, les Nemrod. Le voilà reparti. Oui. Eh bien, tant mieux, je le trouve toujours aussi détestable. C'est vrai qu'il n'inspire pas la sympathie. Comment ça, t'as encore réparé, ma méca? Tu m'as donné ce ticket il y a plus d'une heure. Mais ça m'est égal qu'il y ait des gens devant moi. Des Nemrod. Je suis entouré de Nemrod incompétents.